Donc, salut tout le monde! Bienvenue à cet nouvel épisode. On pourrait dire. Hors série. CPPLD en vacances. Oui, on faisait ça dans le temps. Oui. Bon, ben, c'est CPPLD en vacances. On a une collaboration. Une collaboration. C'est pas vraiment une donation parce que je l'ai payé. Mais okay. Il l'a apporté quand même. Donc, un viewer a apporté une Beyblade d'un magasin. Il y a même un launcher dedans. C'est pas la dernière génération, mais je voulais faire un petit opening un peu pour voir. C'est malheureusement pas un booster pack qu'on appelle, ou ce qu'on a d'une Beyblade random, que le but c'est d'avoir elle sur le paquet. Là, on a vraiment une Beyblade où ce qu'on a des stats. Là. Fait qu'on sait. Qu'est-ce qu'on va avoir. Exactement. Ça provient de quel magasin? J'imagine. On va faire la pub! Oui, on travaille pour avoir un sponsor. C'est Place Bureau en gros. Place Bureau en gros. La personne qui me fournit ça va rire. Non, c'est Place Bureau à Saint-Georges, en Beauce. Ouais, c'est un magasin qui se spécialise dans les jouets, les jeux de plateforme. Mais ils ont encore, ils n'ont pas des blades de dernière génération, par exemple. Ça, c'est l'avant-dernière. Donc, ça c'est la première génération Beyblade, ça c'est ma Beyblade préférée. Moi je l'ai appelée la Valkyrie, je sais pas c'est quoi son vrai nom, mais ça, ça l'a battu beaucoup de Beyblade, mais c'est la première génération. Elle qu'on vient d'acheter, c'est plus des comme ça. Ok, un peu plus... Ça c'est ma dernière que j'ai eue, des plus grosses Beyblades, ça s'appelle Beyblade Burst Quad Drive. Je pense même qu'il y a eu des Beyblade Burst normales, puis après ça, des Quad Drive. Fait qu'on est plus là-dedans. Mais la dernière génération de Beyblade, c'est elle que j'ai achetée ici, la Shinobi. On devrait avoir une vidéo qui va popper en haut à droite, que je vais regarder. Je l'ai déjà monté. Mais dans la vidéo en question, je disais que ça datait de 2004. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est la dernière génération. C'est les dernières Beyblades, ils sont toutes en métal, avec des drivers un peu bizarres. Donc en métal, tout est en métal. Mais bon, aujourd'hui on est en deuxième gen, tu nous remets ça comme c'était. Ouais, on va essayer de remettre ça comme c'était, pas si pé. Donc, c'est ça, aujourd'hui on a une Beyblade Burst Quad Drive à ouvrir. Donc on va faire ça à l'instant. Une petite glue, toi tu viens de prendre ta glue? Let's go! Ça s'ouvre tout de même ça? Ok, prête de même. On pète la boîte. Hey, mais ça j'aurais été plus poli avec la boîte. Moi, non! J'en ai assez des boîtes ici, puis des gagnés. Ça, tu veux pas un petit couteau suisse? Non. Ok. On décolle ça. Ok. Donc on a... Ah! C'est même pas emballé dans un... Non, il n'y a pas de sachet, là. Normalement, c'est dans des sacs de plastique qu'on ouvre. Ouais. J'en ai ouvert, vous allez voir la vidéo qu'il va apparaître encore en haut à droite. Tout est emballé. Tout. Je pensais que c'était le même, tout. Wow! Là, ok, je suis un peu déçu du packaging. On a des stat sheets ici. Je veux pas être trop loin dans l'endroit, mais... Je sais que, tu m'as fait écouter beaucoup de vidéos de Beyblade, qu'il y a comme deux manufacturiers de Beyblade. Ouais, c'est vrai. Puis, dans la façon qu'on fait procéder, packager, les grosses différences. Ça, c'est une Hasbro. Ok. Fait que c'est supposé d'être une vraie. Hasbro, c'est les vrais. Ben, c'est toutes des vrais. C'est bien qu'il y a des différences quand même marquantes entre Hasbro. Puis, je m'en veux plus c'est qui l'autre manufacturier, mais. Riftre. Ouais. Donc, ça, c'est notre Beyblade. On a déjà le rire ici. Il n'y a même pas de cover. Ah, le cover est déjà quand même. C'est comme eux autres qu'on a ici. Okay, c'est la même chose. Le cover, on a un cover sur le driver qu'on peut mettre. Donc, ça fait deux configurations différentes pour la Beyblade. Ça, c'est plus défensif. Le mettre ou l'enlever. Ça, c'est plus défensif. Ici, je me trompe pas. Ça, c'est plus agressif, on le voit ici, là. Ouais, il y a comme des stats de marquer en arrière. Ouais. C'est comme quand tu choisis ton lutteur. Ouais, exact. Donc, avec le ring en bas, t'es supposé d'être plus défensif. Donc, quand tu mets la protection, hein? Mmh. Mmh. Safety Protégez-vous. First! Protégez-vous! Safety first, kids! Zoom manuel. Ouais. Donc, c'est notre ring, la toupie s'appelle... Comment elle s'appelle, cette Beyblade-là?
On a-tu le nom de la Beyblade au moins, Calvert? Je veux son nom! Tout! Hey, j'écoute des vidéos de Beyblade, pis les gars connaissent tous les noms de chaque toupie, pis moi j'ai aucune idée. Oh! Vanish Fafnir! Ok! On a vraiment un nom. Ça serait une Vanish Fafnir F7. Donc, ça serait la nouvelle Beyblade, est-ce qu'on l'assemble? Vas-y, assemblerons ça ensemble. Un espère des Beyblades. Ah, oh, elle est à l'envers! C'est à l'envers! C'est une japonaise! Une japonaise! Comment ça qu'elle se monte à l'envers? C'est quoi cette affaire-là? Mais c'est donc une domaine. Eh hey, ben là, elle se monte vers la gauche, c'est pas normal, check. Avec elle, là, t'as défait. Okay. Tu mets toujours le ring en premier. Okay. Après ça, tu sacs la chose. Puis quand le drive rentre, tu le tournes à droite, ça marche. Okay. Et elle se tourne vers la gauche. Ça veut dire qu'il va falloir la lancer avec le. Ok, voilà. Une chose de même. C'est technique, ça, c'est bébé. Le monde s'en rend pas compte, là, mais c'est quelque chose. Ouais. Mais pas le trou de sa table. Ça t'attends-tu qu'on essaye ça? Ouais, mais là, on a-tu des bons launchers? Moi, j'ai l'impression. Oui. En tout cas, ben, regarde. Il me donne avec. Ok, c'est son launcher. C'est son launcher qui venait avec. Veux-tu le launcher de la right? Oui, je viens de le faire. Ok. Ok, là, je vais pouvoir. Fait, dans le fond, la seule différence, c'est que tu le lances de même. À la place d'être comme ça, okay. Tu le mets de même, dans le L. Ok. Comme ça. Puis on va faire un. Veux-tu essayer la nouvelle? Ouais, non, on va te laisser essayer la nouvelle. Ah ouais, tu vas essayer la nouvelle. On va installer le field. Bon, donc, on revient pour le combat. Qu'est-ce que t'allais dire, Mick? La reine que j'ai pognée, ouais, oui, elle est moins fair. Mais la reine que je t'ai pognée, c'est comme de quoi pour mousser un peu, là. Faut. Wow! Là, c'est comme double layer, t'as plein de choses. Ça sent à ça, là. Il y a plein de launchers dedans, là, mais c'est double layer. C'est fait un peu pour. Pour les enfants, pas pour les enfants, mais ouais, pour les enfants adultes aussi. Ah, c'est ça, c'est l'air rote. Non, mais c'est pas si cool, hein. Une bonne litière à chaud de même, ça fait. 3, 2, 1, OK. OK. Combat assez défensif, mon homme! Ouais, c'est bon, j'ai vu ça pareil. Ah, oh, je pense que là. Oh! La mienne! Un! La donnée à la tienne, quoi. Oui! Ah, oh, oui, okay, elle a okay. Bougé. Veux-tu qu'on retourne sur la. Non, c'est quand même. 3, 2, 1, 1! Ouais, bon! C'est-tu bon? Ouais. 1, 1. Ok. Tu peur de prendre ta toupie? Oh, une tabarnak, je me trompe tout le temps de mort! 3, 2, 1! Oh non, wow. Je me burst! Wow! Mais elle continue! Elle continue, bro! Bro, elle continue! Elle a burst, mais elle a pas burst! Elle a perdu le driver, puis elle continue! Wow! Wow! Ah non, t'as gagné! Non, elle. Ouais, non, t'as gagné! Je l'ai vu! Penses-tu? Ouais! Ok, non, c'est bon. Je pense que tous perdu un bout. Ok, on est tous. T'as perdu un bout? Non. T'as trouvé. Ok. Ok. Prêt? 3, 2, 1! Non! Tu m'as bunké encore! J'étais chanceux, je pense que je l'ai vu. Tabarnak! Tu m'as bunké dans les airs! Tanné, là, toi. Ben, pas le layer, non, c'est même pas le layer. Le layer, c'est ça. Ça, c'est le ring. Donc. Layer, ring, driver, et ça c'est le. Moi j'aime ça appeler ça la capote. Ok. Moi j'ai enlevé la capote. Protégez-vous. Protégez-vous, enlevez pas votre capote comme j'ai fait. 3, 2, 1. Oh shit, ça vous volait mon homme? Ça bumpait. On a un fight. Je tourne, c'est rare. Je suis plus agressif, man, sans mon condom. Oh! Sans mon condom! Égal! Ça c'était égal! Ok. We can give it 1-1. C'est agressif! Sans mon condom! Agressif? Oui.
3, 2, 1. Hey, tabarnak. La mienne est agressive. Il y a des crits, man. Ça part. Puis là, ça part. Oui. Ça tourne. Ça tourne. Puis là, ça part. Non. Oh. Hey. 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 T'as fait punker, mon asti. Oh! Ok! Let's go! I've got it! Ah! Je pense que la mienne de 0.2 secondes. Surtout que je suis genre en. Je la donne, ça. Non! Je le vois, moi! 0.2 secondes que j'ai gagné, je pense. Faudrait mettre le ralenti, dirais-le. Mais... 5 à 3 pour Mick! Et qu'on match. Pas mal mieux ce launcher là, man. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? T'as un point parce que normalement tu gagnes 2 quand je burst, mais je gagne 1 quand tu bunk. Fait que tu gagnes 1 point. T'as été dans le bunk, t'as burst. J'ai burst. Fait que là, c'est quoi? Là, tu veux gagner 2 points? 3 points. Hey! Hey! Attends, 3, 2, 1. Hey! Oh non! Toi, tout, t'es out. C'est qu'un c'est un burst, ça. C'est pas un burst, mais c'est un bon. Ouais. Un chèque. Hey, man, pourquoi je m'accuse tout le temps dans cette trou-là? Et moi, là, je me suis découvert. C'est un des pires matchs ever. Ever! C'était drôle, mais c'était ever! Pas drôle, mais... C'était un angle normal. Oh! Hey! Hey! Oh! 2 points for me! Elle est trop forte. Ça, c'est la Joker. Je sais pas c'est quoi son vrai nom, là. C'est de quoi Joker? Je l'avais pogné il y a pas long quand j'étais chaud. J'étais chaud? Quoi? Tu peux pas la launcher avec ce launcher là. Ouais, mais on va faire. Ouais, mais là, si tu prends la génération 3, là, tu triches, là. Change de génération. On fait du spectacle. Ok, on peut. Hein? Non, ça me dérange pas. Comme des vieux lutteurs. Ok, quand okay. Je suis prêt. Lutteurs, tu prendras un autre launcher. Des pis... tribus en RKO, même, okay. Alors que des prises de lutte sont vraiment plus hautes. Hein? Ok, oh, hey, hey! Ah! Oh! Elle est vraiment trop forte, cette arnaque-là. Amène-la, la métal, amène-la! Man, c'est quoi les points, là? 8 à 7, pour moi. Fait que si je gagne, je gagne. Si je te burst, si tu me burst, tu gagnes. Ok. Hey, c'est pas. Tu es satisfait? 3, 2, 1! Hey, man, il y a des hits. Oh! Oh! Non! Quoi, man? 8 à 8? J'étais capable de te battre avec ce petit tout. Ah, mais elle est rough, elle est grosse. Ben, pas grosse, wow. Mais lourde. Ready? Ouais. 3, 2, 1. La mienne va en peur, mais là, elle se. Non! Je t'avais bunké! Non! Bon, ben c'était Beyblade! Un spécial d'été! C'était super, fait campagne la gang! Si vous voulez des Beyblade, allez chez Place Pyro, les sponsors officiels de cette vidéo! On mettra de l'eau! Ouais. See ya tout le monde!